Oh putain! Ça fait longtemps que je me suis pas réveillé si tôt. Vraiment. Voilà, J-1. Alors pour le moment, c'est le bordel total dans ma chambre. J'ai mis tout ce que je devais prendre sur mon lit. J'ai des affaires qui traînent encore en bas. J'ai encore acheté quelques trucs. Mais le but, c'est de classer tout ça, tout ce que vous voyez ici. Donc il y a la tente, il y a le matelas, il y a les vêtements, il y a un peu de nourriture pour commencer. Il y a des papiers comme le passeport, etc. Des cartes, enfin bref, tout le matériel avec les caméras, les batteries rechargeables, tout ça, à mettre là-dedans dans un seul sac qui a environ 65 litres. Donc ça va, hein, ça devrait aller. Après, je fonce couper ma touffe. Parce que pas question que je pars en voyage avec les cheveux longs comme ça. Je vais crever de chaud. Du coup, voilà. On part demain matin. Et pourtant, il reste encore à faire. Allez. Pari tenu. C'était pas facile, hein. J'ai encore des trucs à mettre dedans. Mais me voilà prêt. C'est comme ça que je pars. Voilà, c'est parti. On commence le voyage. Je me trouve actuellement sur l'aire d'autoroute vers Paris. On va essayer de choper un stop. Peut-être qu'il y a des gens qui vont vers Paris, peut-être qu'il y a des gens qui vont plus loin. On sait pas, on va tenter notre chance, on va demander un peu aux gens. À tout de suite. Bienvenue en France. Et ouais, les gars, voilà, je trouve maintenant sur une aire d'autoroute. Il y a un couple sympa des Néerlandais qui m'ont pris en autostop. Je me trouve actuellement à 100 km de Paris. Et si tout va bien, ils vont me déposer après Paris, d'ici 1h, 1h30. Donc tout se passe bien, quoi, tout se passe bien. C'est parfait. La vie est route, on continue. Comme quoi, il n'y a pas qu'en Belgique qui pleut. Hein. J'espère que ça va s'arrêter. Pour le moment, le ciel est en train de s'éclaircir. Ça devrait aller. J'espère ne pas mouiller ma tente la première nuit. Sinon, ce sera de la merde.
Paris maintenant. C'est dégueulasse, il pleut de temps en temps, ça m'énerve. On a arrêté une heure à Paris. Mais bon, j'espère que ça va aller, il est déjà assez tard, il est 16h. Du coup, j'espère qu'il y a des gens qui voudront encore me prendre. Comme ça, je peux faire quelques kilomètres en plus aujourd'hui. Sinon, voilà. Croisez les doigts, la vie est rouge. Il y a pas mal de post-stoppers ici. Donc j'espère que les gens vont pas trop râler parce que je vois qu'on est plusieurs à essayer de choper. Du coup, voilà. Les camions là-bas. Il y a moyen, hein. Ouais. Les camions vont me prendre. Je vais tenter. Côté de Paris pour me diriger vers l'Espagne. Tant pis, faudra faire avec, comme vous voyez, hein. M'en fait pas, il pleut tout ça. Et le soleil, il pleut. Il n'y a même pas d'arc-en-ciel. C'est quoi cette merde? J'ai vu des Espagnols, mais ils sont à chaque fois full dans la voiture. Du coup, c'est normal qu'ils ne veulent pas me prendre. Enfin bref, je continue ma recherche. J'espère que je ne vais pas passer la nuit ici, quoi. Eh ben voilà, nous y sommes. Eh ben heureusement, il y a deux dames super sympas qui m'ont pris. Parce que j'étais parti pour la nuit sur l'autre arrière de l'autoroute. Là j'ai pris la direction de Toulouse. Et je me trouve en plein milieu, donc c'est cool. Il est presque 20h, non il est déjà 20h. Le soleil commence à se coucher, donc on va essayer de chercher un endroit pour la nuit. Parce que faut faire dodo. Et demain, continuons la route, donc on se voit tout de suite. Il y a pas mal de camions aussi qui vont vers l'Espagne, je crois, donc du coup on va leur un peu demander pour demain matin, comme ça on a peut-être un transport direct. Bon, tant pis pour les camions ce soir. On va essayer de chercher un endroit pour la nuit près des toilettes, parce que c'est une bonne idée ça, près des toilettes. Ouais, il y a un robinet, ça c'est déjà bien. Pêche et baignade interdite. Baignade. Faut que je me lave moi. Et serait-ce l'endroit parfait pour la nuit? Serait-ce l'endroit parfait? Le sol est un peu mouillé, il a plu hier. Mais. Regardez ça. Cool, non? Il faut se dépêcher parce que le soleil commence à tomber. Il faut mettre la tente encore. Bon. Racle le charme, franchement. Et ouais, il est temps de se reposer, hein. Putain, moi j'ai faim, c'est pas évident, tout est mouillé. Il a plu toute la journée, je crois, ici.
Mais bon, on fera tout. Le repas de ce soir est prêt. Alors, au menu, soupe de nouilles qui passe bien et la conserve. Franchement, je suis vraiment pas exigeant niveau nourriture. Mais cette conserve est dégueulasse. Je sais pas comment on peut manger ça. Faudra se forcer. Franchement, quittons la France le plus vite possible. Parce que ici tout est cher. Et une fois arrivé au Maroc, je vais me faire un de ces plaisirs en mangeant. Voilà, voilà. J'ai essayé de me repérer. Alors, sur la carte, ça donne quoi? Je suis parti de Bruxelles ce matin. Un pote qui m'a déposé par ici. Parce qu'il partait à Charleroi. Puis j'avais chopé le premier stop qui m'a amené jusqu'après Paris. D'ici, je pensais prendre la direction de Le Mans. Mais finalement, ça marchait pas trop avec le stop. Et heureusement, il y a deux dames sympas qui m'ont sauvé pour aller jusqu'à Limoges. Sauf que je me suis arrêté un peu plus tôt, vu qu'il est déjà tard, pour faire le campement. Et donc voilà, première journée accomplie. Pas mal, hein? On a fait quand même pas mal de kilomètres, je suis content. Demain matin, on se réveille et le plus vite possible, on essaie de prendre la direction de Toulouse, soit de Bordeaux. On verra ce qui sera plus facile. Je vois qu'il y a des autoroutes jusque là. Et après, soit on dévie vers Bordeaux et on descend vers l'Espagne, soit à Toulouse et on va longer la frontière dans les Pyrénées. Enfin bref. Voilà quoi. Regardez le coucher de soleil. Trop beau. Oh putain, ça fait longtemps que je me suis pas réveillé si tôt, vraiment. Il a fait super froid cette nuit, vraiment beaucoup trop froid. Je crois qu'il est 6h, 6h15. Bon allez, il faut petit à petit se lever. Pas très beau, hein? Non, vraiment pas très beau. Je vais me laver un peu. On va se préparer pour la route.
Bon, c'est un peu la merde. La plupart des camions sont déjà partis. Et les gens qui s'arrêtent ici, ils tournent dans le coin. Donc, j'espère qu'on pourra partir d'ici le plus vite possible. Mais pour le moment, c'est la merde. Même le panneau, ça aide pas. Hein. J'ai fait un petit panneau. Mais bon, c'est un peu la crise. J'ai eu de la chance, hein, monsieur Roumain il m'a attrapé, il va me ramener jusqu'à Barcelone. Donc pour le moment c'est cool, tout se passe bien, on continue comme ça. Je vous montre tout le camion, on transporte des patates, 22 tonnes les gars. Ça c'est du belge, hein, on pourrait faire des frites ça. Voilà la cargaison. Et on est en pause pour une heure. On reprend la route d'ici 25 minutes. Le créole, c'est que le monsieur, il parle ni français ni anglais. Il parle juste roumain et un peu espagnol. Moi, je parle pas du tout espagnol. Je parle anglais et français. Du coup, on essaie de se comprendre avec des mots cassés entre le français, l'espagnol, l'anglais. Mais bon, le but, c'est qu'on se comprenne. Et donc, comme je disais, hein, il va m'emmener jusqu'à Barcelone. Donc cette nuit, on va la passer en Espagne déjà. Avant de monter dans le camion, on enlève les chaussures.
Bienvenue en Espagne. Voilà un temps que j'aime bien. Du soleil, full soleil et 33 degrés les gars. Allez, on va continuer la route vers Barcelone encore. Apparemment le gars me dépose quelque part sur l'autoroute. Si j'ai bien compris, d'après ce que j'ai compris, il m'invite je crois à manger. Donc le repas de ce soir c'est déjà fait. Tant mieux. Allez, on croise les doigts que ça continue comme ça. Muchas gracias amigo. Facebook contact. Muchas gracias. Direction Barcelone. Bon, lui il a fini pour aujourd'hui. Moi je regarde, je check l'heure. Il est 19h05. Est-ce que je chope encore au moins quelques kilomètres vers Barcelone ou pas? On va essayer. Hein. Des gens qui vont en vacances. On va leur poser la question. Puis on va voir. Hein. Les gars ici. On va voir tout de suite. Bon les gars, apparemment j'ai plus de change que prévu. Je suis avec Johnny ici. Voilà. Et on va voir le Barcelone. C'était pas prévu, hein, mais il m'a proposé d'aller visiter Barcelone la nuit. Donc du coup, voilà, je vais profiter. Hein. La vie est route. On va voir ce qui se passe après.